Et oui, c'est parti ici au stade des Martyrs, Vita Club, les Aigles du Congo, les deux formations qui ont été battues récemment par les TP Mazembe veulent se relancer. Tout simplement plus fort que la Vita Club, voilà pourquoi cette équipe ne pouvait qu'encaisser. Bobo pour Matobo, la frappe des Matobo serait poussée par Farid Wedrogo. Joey Samampeko, sans oublier Sam Samanga, c'est Pandou qui travaille à quelques centimètres de cette barre transversale de Moubobo Israël. L'une des équipes structurées au Bénin. C'est donc le club de l'enfant du président de la République, la déviation, Kiki Amouchikiro. Kikoma Mujinga. Pas de faute sur Kikoma, la belle récupération d'Mbomba. Motu Desi, Desi Mbomba Motu, le centre de Desi Mbomba. Il avait bien vu Kiki Amouchikiro, mais c'est Elton Kayembe Mujanaï qui arrive pour l'empêcher. Moi qui va transférer la balle à Djoumekou. Oh là là, c'est loupé de la part de Galei René. La partie continue. Matobo. Matobo qui s'est fait rare depuis un moment. Peut-être il va nous emballer. La frappe de Matobo, Moubalou. C'est un corner. Et oui, l'ancien de Jacques Trésor Matobo. Et Sams Samanga. Eli Pandou. Pandou Eli. Pandou. Oh là, quel geste de Pandou qui frappe. Voilà. Et l'intervention de Moubobo Israël. Ah, c'est comme ça qu'il faut procéder. La rage du coach Luc. Oula, la mentie de la poitrine. Ensuite, ce geste raté. Matobo Moubalou. Lui, il adore ce genre de situation, mais il préfère centrer la tête d'Eto Kayembe. Juste avant la pause, Eto Kayembe marque ce but au bon moment. Et les Aigles du Congo ont l'avantage dans cette explication de la 8e journée des playoffs. Et comme lors du match retour dans le groupe B, Bela Bakwaima avait marqué juste avant la pause. Ibrahim Matobo, c'est lui qui travaille ses centres millimétrés et l'appel du buteur, il est excellent pour aller couper la trajectoire et marquer ses buts qui met bien haut devant la suite à regarder ses centres et la tête qui ne laisse aucune chance au gardien Farid. La tête en tout cas bien travaillée, tout comme le centre de Matobo. Le gardien n'a pas trop de chance parce que c'est la trajectoire qui est coupée alors qu'on l'attendait sur une autre trajectoire. Exactement. En tout cas, on est toujours surpris. C'est la pause ici au stade des Martyrs. C'est reparti ici au stade des Martyrs. Encore Pandou. C'est Matobo à la récupération pour le compte des Samouraïs. Eli Pandou qui surgit. Imana Lotte avec Pandou Eli, le catalyseur, le centre de Pandou. C'est un cadeau spécial pour les gardiens Bobo Israël. Prendre ses responsabilités. Il faut signaler également l'entrée des Goma Junior côté Vita Club. Très bon crochet des Bunga Simi et Bunga qui avance. Est-ce qu'il y a faute sur les Bunga? Pas de faute des Junior en Goma. La déviation avec Matobo. Il a de la vitesse Matobo dans la surface. Est-ce qu'il a été touché ce Matobo par Kalonji Tijibou? Ouais, on va voir. On dirait que le jeune se jette tout seul. Vita Club dans le camp, a dit les Aigles du Congo avec cette frappe. Aïe. Oh là là, la tentative des Norberto qui a été à l'or. Belle tentative. On a vérifié les Aigles du Congo dans le groupe B pendant le match retour. C'était lui l'unique buteur de la partie. Matobo Moubalou, les coups de sifflet de l'arbitre du match. Il faut se maîtriser. Votre équipe mène. Il ne faut pas céder. Attention, il sera exclu. Le coach des gardiens, Marcel Mayala. Et le président des FC Les Aigles du Congo, Vidé Chimanga, très concentré quand même. Ah oui, hein, le boss du samouraï. Mbeya, il a donc confisqué la balle. Il transfère le ballon à son coéquipier. Et là, Bakwaima qui frappe. Ah oui, hein. Il y a trop d'espace, Balabioda qui va continuer d'insister, le centre des Balabioda à la tête. Oui, hein, clairement, il y a clairement une position litigieuse, même si là, les arbitres ne branchent pas. Le corner est occupé par Elim Pandou, le centre, la tête des Kalonji Tijibou, l'ancien de l'US Panda B52, qui a sauté plus haut et il obtient l'égalisation pour Vita Club. Lenzombo.
Encore 5 minutes. Les hommes le soir et oui, qui arrivent. Encore 5 minutes. Et aussi la belle combinaison, voilà, ces buts, ce coup de tête de Kalonji qui saute plus haut que tout le monde. Les compressions entre le gardien et sa défense. C'est dégagé devant. Payel Bataba qui arrive. C'est Kika, l'ancien de la S Vutuka. Kika Bushikira pour Elenga Kenga, l'ancien de Kara et de la S Otto. Elenga avec Kika Bushikira. Kika dans la souffle de la patte. Kika Bushikira, pas tué qui se loupe. Elenga qui tape. Rien de spécial, pas de tout pour le soir jusqu'à là. Mais la partie continue. Et le rigueur. La tête de Samsa Samango. Attention, ça continue dans les camps des Vita Club. Et Bouya qui va intercepter le contrôle pour Bella Bakwaïma. Bella avec Mbala Bloda. Mbala, les bons attaques. Mbala qui frappe. L'intervention des Séraphins Kalonji. Le corner pour les Samouraïs. C'est terminé. Un but partout. Les Aigles du Congo qui tiennent Vita Club en échec.